Voilà, nous sommes en ligne. Quelqu'un peut vérifier que ça fonctionne bien sur le site, si on a du son. Et une autre personne pour faire le résumé. Donc, juste avant le résumé, j'ai quand même faire un petit pitch sur le fait qu'on joue pour la première fois avec Rollisteam 1.9. Bon coup. Voilà. Bon. On a déjà remarqué qu'il y avait des bugs, mais, mais dans tous les cas, voilà, ça va me permettre d'avancer un petit peu. Le truc, et on n'est pas à l'abri de retourner à la 1.9. Des fois, il y a trop de problèmes dans le fait que j'ai oublié certains raccourcis, certains alliés. Bon, ouais, je l'ai oublié. Voilà. Du coup, qui veut faire le résumé de la partie dernière? J'arrive qu'à une minute. Je lance. Ouais, justement, je suis en train d'essayer de m'en rappeler parce que là. Alors, si ma mémoire est bonne, on était en train de discuter entre les quatre personnages dans la boutique de sushi par rapport aux informations qu'on avait mises en commun, enfin qu'on avait tous récupérées pendant la dernière séance, pour une mise en commun et déterminer qui irait voir Akamu, ce qui a été Sushi qui est allé voir Akamu du coup après. Voilà, donc du coup on a mis les informations d'année, qui fait quoi, etc. À ce moment-là, un enfant est venu nous voir et nous a donné un rendez-vous et qui réclamait les cadeaux. Je crois que chacun a fait un petit truc de son côté. Moi, je crois que j'ai juste observé un peu le temps, mais ça s'était donné shootant. Je me rappelle plus ce que tu avais fait Shuba ou Chaussy du coup était allé chez Akamu et ensuite on avait pris rendez-vous du coup avec la cellule et une fois qu'ils nous avaient mis la main dessus on avait fini dans un interrogatoire et là ils avaient ouvert les coffres et ils avaient utilisé les contenus du coffre pour faire un rituel et voilà, on s'est arrêté là à l'ouverture de la boîte, enfin à l'ouverture du porte qui mène sur une dimension. Enfin, c'était un truc magique. Voilà, après, je dois bien oublier que je suis pas fort. Moi, mon perso, j'avais commencé par ce soir. Voilà, il avait sauté. Mais il avait aussi continué sa couverture. Donc, sur, comment rejoindre, enfin, comment contacter. Non, c'est à peu près ça, hein, mais pas bien. Ouais. Vous avez même forcé à passer le portail. Hein. Des armes, mais pas toutes les armes. Je vous ai expliqué que si vous ne passez pas, vous passez. Comme dire l'autre, c'était. On n'avait pas ces portails de façon volontaire. Donc qu'est-ce que vous. Nous, pas si. Est-ce qu'elle est revenue ou pas encore? On va être dur. Pour lancer la description. Bah, je crois pas. Désolé. Donc, vous êtes dans un royaume qui est tout gris. Enfin, un royaume vieux. Qui est tout gris. Une grande salle. Une grande place, plutôt. Grande qu'infini. Cette grande place est toute grise. Le sol est vraiment plat. Enfin, c'est un plan parfait, pratiquement, quoi. Autour de vous. Il y a une dizaine de maisonnées qui ressemblent plus à des espèces de temples pour abriter quelqu'un. Et sur la place, il y a trois sections, et les trois sections vont dans la même. Ils sont en fait une espèce de grand palais qui est l'endroit, enfin la chose la plus visible autour de vous. Quand tu dis section, tu parles de section militaire, de section monastique. Non, la place est séparée en trois zones, si tu préfères. Ah, ok. C'est trois zones distinctes. J'arrive sur pour comment vous arrivez à les distinguer. Qu'est-ce qui les distingue les unes des autres. Mais voilà. En gros, donc c'est des espèces de files d'attente. Trois files d'attente distinctes. Il y en a une qui est toute petite et qui est très peu fréquentée.
Et vous y voyez quelques animaux dessus. Et ils vont très très vite. Ils apparaissent, ils marchent et puis ils arrivent très vite jusqu'au temple principal. Et voilà. Ensuite, il y a la zone dans laquelle vous êtes, qui est la principale, la plus grande section, la plus grande zone d'attente, on va dire, qui compose quelque chose comme 90% de la place. Hein. Elle est pleine d'individus, donc des âmes, qui attendent et qui se dirigent petit à petit vers le palais principal. Et il existe une troisième petite section, une troisième file d'attente, entre guillemets, où là, vous voyez plutôt des âmes. De personnes qui sont plutôt issues de, du royaume des divins. Les personnes de la deuxième section sont plutôt des. Alors je vais dire un truc, hein, mais tu me diras si mon personnage peut le dire ou pas. J'ai l'impression qu'on est plus dans l'ère d'attente, je crois que c'est Meido. Ouais. Donc du coup, t'as le royaume des animaux, en gros, qui est l'une des sections et t'as les animaux qui partent. Une où c'est plutôt les Rokugani, j'ai l'impression, et l'autre ouais. C'est les Ivindir, c'est ça, hein, je Donc du coup, en gros, c'est trois royaumes, en fait, qui va vers trois royaumes différents. Donc l'un, le royaume, donc Meido, qui fait la séparation pour les morts. Donc les animaux sont triés pour savoir s'ils retournent dans le cycle ou s'ils retournent dans le... Kunia, là, je sais plus le nom du... Comment il s'appelle. Donc Ushudo. Pour nous, ça doit être Yomi, qui doit être déterministe. C'est pour ça que c'est long, est-ce que t'es noble ou pas, enfin, pas noble, mais sûr ou pas. Et pour les Ivindi, alors ça, je sais pas du tout, c'est peut-être un lien qui est particulier pour eux ou pas, j'en sais rien. Et du coup, ouais, est-ce que mon personnage peut avoir déjà cette vision-là, ou il faut une connaissance particulière? Considère que non, ça va. Ça, okay. Tout le monde vous... D'accord. Donc vous êtes effectivement, qui est en fait le royaume de l'attente, et qui est normalement là où on attend le jugement pour savoir si votre âme a été bien ou pas. Et selon si votre karma est positif ou négatif ou autre, bah, vous allez atterrir dans un royaume autre. Ça peut être soit se réincarner en Niendo, donc soit comme samouraï, émin ou état ou autre chose, soit sous plante verte ou animaux si vous avez vraiment fait. Soit vous pouvez aller dans le royaume de Yumi, donc qui est le royaume qui est en gros l'objectif de toute âme, de finir en Yumi. Certaines âmes exceptionnelles vont en Tenshigo, je sais pas, comme ça. Le royaume des dieux, en fait. Ouais, c'est ça, Tengoku. Non Tengoku, ouais, Tengoku. Voilà, Tengoku, le royaume des fortunes. Donc ça, c'est vraiment un cas voilà, où vous êtes... Mais sinon, vous pouvez aller dans d'autres royaumes qui sont moins cool, hein, si votre âme a vraiment fait des conneries. Et pour le coup, est-ce que quelqu'un a connaissance du royaume d'Ivoire ou... J'ai royaume d'Empire d'Ivoire. Ouais, bah vas-y. Ouais, vous pouvez me faire un petit jeu si vous voulez, ouais. Connaissance colonie ou royaume d'Ivoire, en tout cas. Ah, ok. Faire un petit point religieux. Eh bah, c'est pas exceptionnel. J'ai pas beaucoup de connaissances. Le 34 de Captain. Je vais attendre le jeu. J'ai pas vraiment de connaissances à ce niveau-là, mais est-ce que je peux faire un... Une connaissance Shugenja, en fait, vu qu'on est dans un portail. Alors non, parce que la compétence vraiment dédiée pour ça, c'est connaissance royaume spirituel. D'accord. Okay. Et, voilà. À la limite, connaissance Shugenja, tu peux le faire, mais ça va t'informer sur le Shugenja qui a fait le rituel. Ouais, sur le coup, c'est pas très utile. Voilà. Du coup, est-ce que Ryu fait un... J'en ai 22, pourtant il est sur le chat commun. Ah bah. Bah désolé. Je vois celui de Captain Red, tu le vois pas, Captain? Bah manger dans le chat commun. Non. Moi je vois que bien. Ah. Et un problème. Chuba, bah je vois celui de Chuba, je vois celui de Captain. Ok, bah je vais relancer le 1.9. J'avais fait 22. Moi okay. Je veux bien lancer une enquête perception, si c'est possible, de voir un petit peu. Ouais, fais ton jet, mais t'auras les explications après. Donc, dans la religion Ivindi, il y a un peu des notions assez identiques à la vôtre, dans le sens que il y a une fortune qui vous donc chez vous ça s'appelle, elle s'appelle, et d'ailleurs vous pouvez le voir de là où vous êtes,
et au centre du palais dans lequel tout le monde se dirige. C'est lui qui juge les animaux et les Rokugani. Et de l'autre côté, bon, l'autre qui l'attend, c'est Yama qui juge chez les Inuits. Est-ce qu'il est grand et qu'il a un casque avec... Oui, bon, d'accord, c'était une référence de Dragon Ball Z. Je suis désolé. Mais il est pas impossible qu'il se soit inspiré de ça. Hein. Après, Yama, c'est... Ce que je te cite, c'est de la vraie mythologie, hein, parce que oui. Ça n'existe pas hein, dans les bouquins L5R, il n'y en a pas hein, de mythologie sur le royaume d'Ivoire, du coup, j'en ai pas trouvé. Donc voilà, du coup, j'ai pris la vraie. Donc, globalement, ils ont fait ça. Hein, donc, Oui, bah, c'est tout ça. Quand c'est déjà écrit, c'est juste à redessiner par-dessus. Ouais. Je fatigue un peu moins. Alors, ouais, c'est... Il y a quand même énormément de. Oui. Alors je vais juste répondre au jet de Verscam sur ça, au jet de perception. Alors ce que tu vas remarquer d'assez, c'est que c'est que dans les trois files, mais principalement quand même dans la file dans laquelle vous êtes, il y a des âmes. D'accord. C'est-à-dire que normalement, une âme, vous la voyez, vous êtes capable de l'identifier. Si vous avez connu la personne de son vivant, vous êtes capable de le reconnaître. Et donc, il n'est pas impossible que vous croisiez des visages que vous ayez vus pendant la bataille. La bataille qui s'est passée il y a quelques jours. Et où il y a eu des morts. Du coup, est-ce que ça dérangerait le mec de ramener un tapis ? Ah, probablement, mais... En tout cas, c'est l'occasion. On a un peintre de génie. Non, mais dans tous les cas, si tu butes dans notre monde, ça va être drôle. Voilà. T'inquiète pas, il viendra pas te hanter, quick. Dans tous les cas, toutes les âmes sont sages et attendent tranquillement et avancent petit à petit. Visiblement, et tu vas remarquer que ces âmes sans visage sont. Il y a un fort concentré de ces âmes. Au début de la file. Est-ce que ça pourrait être des âmes qui ont été trop longtemps à attendre et qui ont été trop longtemps à attendre ? Je sais pas. Moi, est-ce que je peux présupposer que ces âmes qui sont allées au début de la file sont peut-être ceux qui sont morts il y a une quinzaine d'années, tu sais, pendant le changement ? Ah, ouais, non, pas avant les morts vivants, mais le fait qu'en fait ce sont des gens qui étaient Rokugani, mais qui se sont sentis floués par la décision qu'on a cru de l'impératrice, et du coup, tu vois, ce switch-là. Ils sont tellement perdus dans le Bushido, ils sont morts, mais ils sont un peu perdus, un peu comme la Kakita, tu sais, qui s'était suicidée. Oui, ils sont dans le royaume d'attente, le royaume d'attente peut être très long, c'est pour ça que le fait qu'ils soient loin, peut-être, bah, c'est eux qui étaient là, il y a que là qui sont sans visage. Mmh. Alors, ils reconnaissent plus. J'ai bien dit que tu avais une forte concentration de ces gens-là au début de la file, mais il y en a quand même tout le temps. Hein. Oui, mais justement, c'est toujours pas passé, parce que même si les gens ont évolué, plein de choses, voilà. Donc, non, mais... Je présuppose ça, après, c'est tout à fait logique, y'a pas de problème, moi, j'ai pas de problème. Ok, d'accord. Du coup, je partage ça avec les autres. Bah, très bien, ça m'aurait sympa avec une idée de comment on peut retrouver les... De toute façon, on le crie sur tous les toits, et puis du coup, ils vont se retourner, et puis ils vont regarder, et puis... Ça va bien en faire tiquer deux. Ou bien. Alors, petit intermède hobby. Oui. Moi, sur Twitch, j'ai un écran noir. Ah bon ? C'est peut-être je viens de quitter Twitch pour y retourner, mais en fait, j'avais le son. J'entendais tout ce que vous avec un décalage, mais. Bah, je sais pas. Non, mais t'as bien fait, hein. J'ai pas changé le nom par contre, mais. Je renomme. Donc on est d'accord, ça s'appelle Rodiquet peut-être. Oui, totalement. On est à l'épisode 6. Ça m'a fait. J'ai cru que j'avais lancé une vidéo, tout ça. Quoi. Ah ouais, je peux faire pas du tout une image. Avec. En fait, comme si t'avais mis OBS sur un truc de ligne de commande, parce que t'as quitté en haut à gauche, comme si tu pouvais écrire du texte.
Wow. Et ça, les autres? Non, moi j'ai bien l'image et tout, mais je pense que c'est le plus mieux, c'est au niveau de l'image, quoi. C'est absolu. C'est très vite. D'accord. Bah écoute, je sais pas, moi je vois bien aussi, donc Ah, il a peur, on a pas enlevé mon edit. Je crois que c'est, j'ai mis à jour du truc d'écran tout à l'heure, et c'est peut-être pas. Ah. Bah du coup, je sais pas. Samouraï, ça va. Je me demandais, avons-nous un moyen de retrouver ces deux individus? La field Okugami, elle est grande, et du coup, comment nous assurer que... Et est-ce qu'on est différents d'eux, nous? Ah oui! D'accord, on n'est pas... Bah, genre... vous avez vos armes, vous avez votre, vos vêtements, etc. Toutes les armes qui sont ici, apparence un peu fantomatique, quoi. D'accord. Enfin, l'inverse, c'est plutôt vous qui avez une apparence fantomatique, mais vous avez vos équipements, eux, ils ont des espèces de tenues unies, voilà, quoi. Et personne ne nous regarde de façon suspecte, ou c'est pas un centre d'intérêt? Fais-moi un petit jet de perception. Les gens ont l'air d'avoir des apparitions, quoi. J'arrive pas à me reconnecter, j'avais lancé. Moi, je te vois connecté. Hein. Ouais. Ah bah, pour non, non. Pourtant, Ryu est connecté, ouais, je crois. Ah ouais, mais je croyais aussi, et en fait, non, il est toujours en train. Bah, non, mais là, si tu reçois. Là, tu vas recevoir tous les messages qu'on a mis depuis le début. Donc, du coup, Voilà, donc là, je vais me. Et... Moi aussi, hein. Ouais, 3, mais... ah, sinon, dis-nous quel est ton G et puis on le lance pour toi, hein, c'est pas grave. Oui, 3G3, hein, mais sinon, que quelqu'un le lance à ma place, hein, chacun peut avoir cette liste. Alors, moi, j'ai pas d'écran noir hein, sur le truc. Ok, c'était quoi ta question déjà? Je regardais si on était le centre d'intérêt ou si les gens avaient une autre attitude. En fait, voilà. Il y a. Bah, distinguer une personne ou deux qui te regardent. Même une âme, ouais, une âme qui vous regarde, enfin, qui vous regarde plutôt, qui semble un peu prise de curiosité, et tout le reste, on vous ignore. D'accord. Mais effectivement, ça ressemble plus à des espèces de zombies dans une file d'attente, et ils ont pas trop d'interaction avec eux, entre eux, mais ça vaut le cas pour la majorité des âmes, mais il y a quand même quelques et qui ont l'air plus... Ok, bah excusez-moi, je vais essayer de dévisager les différentes personnes et de lancer un peu le long de la fille. La séparation entre les deux. Elle est immatérielle, hein. Oui, mais c'est-à-dire, est-ce qu'on peut marcher le long de la fille? Bah, en fait, tu peux marcher à travers les gens. C'est des noms, en fait, on connaît même pas les gars, c'est des personnes qu'on voit. Bah, si. Ah, merci, c'est un mot, en fait. Ouais, je crois que vous avez juste aller pour le rituel, que vous avez pas tout fait, en fait. Mais, Et vous avez un nom? On l'aura dit quand même, c'est facile à trouver. Ce nom, c'est... Genre, quelle profession il avait, ou un truc comme ça. Bayushi Takayashi. D'accord, il faut retrouver Bayushi Takayashi. Et le deuxième, la deuxième personne Non, la deuxième personne, par contre, vous n'avez pas de nom. Ça va être dur. Je m'y attendais pas. Ouais, c'est juste que Bayushi connaît l'autre. Oui, par contre, effectivement, la deuxième âme sera à côté de la première. Voilà. Du coup, on chope la première et on a la deuxième. C'est une idée. Alors, ça sera pas Yu, quoi. Bah, Yu, elle est morte. Non, elle est chef du. Okay, mm-hmm. J'ai vu un tableau d'elle, apparemment. Ok, bah, l'âme qui vous regardait, que t'avais remarqué, qui était curieuse par rapport à vous, Ryu reste interloqué et s'approche en fait. Non. La personne qui vient vous voir est une jeune femme. Ouais, alors peut-être qu'on a une jeune femme. Oui. Vous cherchez Bayushi Takayashi. Je vous conseille. Pas trop crier, c'est un royaume où les divinités qui règnent aiment le silence. Comment pourrions-nous trouver
personnes dans ce royaume. Bah, je vais vous aider. Enfin, Paris, on disait. En moto, Thomas. Ouais. Donc, effectivement, c'est une grosse moto. Et je connais bien Bayushi Takayoshi-sama et je ne l'ai pas vu ici depuis que je suis là. Donc une des deux têtes c'était la tête de Bayushi. Attends, une des deux têtes c'était la. Le genre il a un truc, je comprends pas. En gros, le nom de Bayushi et Takayoshi donnait accès à deux personnes, c'est ça? Ouais. Et là, attends, et là, une des têtes c'était Miromoto Tomoe? Non. Non. Bah du coup, je la remercie. Je crois pas, c'est celle-ci. Si, 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 les têtes, c'est des canadiens. Ça avait dû être pour elle. Oui. Grandement altitude. Et vous savez aussi qu'ils sont morts récemment. Oui, c'est ça aussi. Parce que voilà, le cadavre de Bayushi, non, clairement, non. Ah, mais c'est le cadavre sûrement du mec qui a pris la place de Bayushi quand il s'est barré, tu sais, le coutelier. Comme ça. Tu sais, coutelier, il s'était barré avec sa sœur. Oui. Voilà, bah, il y en a une femme. Ah, peut-être qu'elle veut faire référence par rapport à ce qui s'est passé pour Bayushi, que du coup Bayushi n'est pas un traître ou une connerie comme ça, j'en sais rien. Ah, peut-être que c'est pas celle que tu penses. Ah oui. Ouais. Ok, aussi... bon après, C'est-à-dire que des Shugenja qui ont ouvert des portails, vous en avez vu aucun, c'est vrai. Kitsumai, je crois. Exactement. Donc là, dans la tête des joueurs, ils ont compris un truc. Ah, mais... Kitsumai qui avait épousé ton frère. Ton frère qui a été assassiné par Coutelier. Voilà. Du coup, voilà. Et sa sœur. Bayushi, c'est que Yushi était l'indice que vous avez donné. Miromoto, Tomoe Sam. Ça, savez-vous quand est-ce qu'ils ont rejoint le roi? Il y a. Quelques semaines quand même, voire mois, mais... Bah, très bien, dans ce cas, il faut rechercher plutôt vers la fin. Du coup, on va aller par la fin de la fin. Bah, elle vous accompagne. Et comment est-ce qu'on va arriver ici, si c'est pas assassiné? J'ai été assassiné. Connaissez-vous le nom de votre assassin? La voix qui cherche longtemps dans ça. Shiba... Alors, celle-là, c'est la mémoire du MJ, je sais plus. Non, que c'est sa prénom, ça. Mais voilà. Oui, c'est ça. Ouais. Qui est accessoirement la. Une des personnes qui nous a envoyé. C'est ça. Bien. Bah, tu sais que non, puisque. Oui, mais c'était une attaque un peu gratuite, je crois. mon perso, on a occupé. Dans l'esprit de mon perso, ça paraît logique. Oui, mais, non, mais je pense que c'était plutôt une remarque du joueur, mais. Ah, dans tous les cas, vous allez commencer à chercher un petit peu. Je demande un peu quoi ça serait d'être au royaume, tout ça pour le passer. Ah bah. On voit pas le temps passer. Hein. Le temps s'y découle de façon, je pense, différente selon les gens. Pour ma part, j'ai l'impression d'être là depuis seulement 10 minutes. Donc, D'accord. Donc, avez-vous vu ces gens sur le village? Pas très bien compris. J'ai essayé de dialoguer avec certains d'entre eux, mais la plupart semblent être que. Enfin, certains sont vraiment affectés et sont incapables de parler. D'autres ont juste très peu de souvenirs et ils ont tous oublié leur nom. Qui ont un village que vous capable de se rappeler qui sont leur vie et leur nom et en fait comme ils ont oublié leur nom les fortunes et Mao n'arrivent pas à les juger donc les alors est-ce qu'il y a quelqu'un qui a commerce et qui peut me faire un jet en estimation en mathématiques
Vous avez le commerce. Tout à fait, j'ai le commerce. C'est une spé de commerce. Donc, à partir du moment où t'as commerce, j'ai commerce. Commerce. Voilà. Juste que si vous voulez être meilleur, il faudra prendre l'aspect mathématique. Mais vous pouvez, voilà, plutôt qu'on commerce, vous pouvez me faire un jet. Donc c'est commerce, évidemment, attendez-vous à faire un gros jet, si vous voulez. Bon, bah, c'est pas simple. Aucune hésitation, je vais faire un gros jet. Je connais tout ce que tu as voulu. Alors, en utilisant l'intelligence à la place de l'intuition, ça va être encore pire. Alors, juste, si vous avez un ancêtre, il ne fonctionne pas. Est-ce que c'est petit ou grand G? Non, c'est grand G, mais c'est pas le S. Oui, non, c'est tout ça. Ouais, je vais utiliser un point du vide pour ça. Ouais, c'est pas trop mal, mais bon. Non. Mon prochain G, c'est un 21. Ah oui. Non, oui. Ah ouais, t'as bien fait, c'est ton point. Ok. Alors, tu constates qu'il y a à peu près un 9e de dames qui sont dans cet état. Un 9e, c'est beaucoup quand même, ouais. Oui. Mais ces âmes sont en tête, ça arrive en même temps. Non. Non, il en a. Et je dirais même, il en a d'autres. Mais le truc, c'est qu'elles s'accumulent, donc celles qui sont là depuis arriver depuis longtemps, elles sont toutes regroupées là-bas. C'est de la pile. Ces personnes n'arrivent pas à ces âmes là-bas. La porte, c'est-à-dire. Pas le temple, hein. Non, bah non, ils sont refoulés parce qu'ils arrivent. En fait, en gros, imaginez que le temple c'est une salle de tribunal, quoi. Donc il y a Emao, la fortune de la mort, qui juge les âmes. Il y a un procès. Dans ce procès, il y a la fortune de la. Enfin, y a plusieurs personnes qui peuvent parler. Donc il y a l'âme qui va parler en son nom et qui va essayer de se défendre. La fortune de la mort qui va sortir les vieux dossiers, on va dire entre guillemets. Et à cela peuvent intervenir d'autres des fortunes, donc notamment la fortune de la compassion, je crois, de mémoire, peut intervenir et essayer d'être un peu l'avocat de l'âme. Et de l'autre côté, t'as on va dire les espèces de procureurs qui sont les habitants des 10 maisons qui sont autour de la place et qui sont des créatures un peu chevaux. Et c'est en prise un peu de mal, donc eux ont plutôt des inventions malveillantes, mais elles sont là et elles sont sous le contrôle de la fortune, donc elles font rien, mais elles essayent de le convaincre d'envoyer des âmes dans des royaumes pas cool, quoi. Voilà, et donc du coup, Emao lui reste un peu entre les deux. Et donc, quand une âme se présente et qu'on sait pas son identité, on fait suivant, on passe à un autre, et donc l'autre elle reste dehors, quoi. Donc et est-ce qu'on empêche les. Non, ils n'embêchent pas, mais ça commence à gêner, quoi. De fait, quoi. Parce que la zone est quand même. La partie qui est réservée pour les animaux, par exemple, elle est pratiquement déserte. Il n'y a personne. Donc, au plus ça va, au plus la file, elle commence à. Elle mange de la place sur cette île-là. Et voilà. Et côté Yvigny, pareil. Il n'y a pas d'âme comme ça. Ou très très peu, quoi. Est-ce que ce serait en rapport avec une des derniers actes qu'on avait vus? Tu sais, on était parti en Tengoku pendant une brève période. Ah ben, je sais pas. Hein. Ouais, mais il devrait pas y en avoir. En fait, est-ce que ton ancêtre avait tué quand t'étais à Kodo? Je comprends pas pourquoi il y en aurait des trop, en fait. Ok. Par contre, on a eu trois notes. Ouais, mais des villages, ça marche forcément à l'heure. Oui! Enfin bon, ça touche à Jésus-Christ, parce que moi j'ai pas vu là-dedans. Oui, c'est ça. Elle comprend pas pourquoi, mais bon. Ça te surprend, il faut pas beau. Des âmes sans âme, quoi. Enfin, ou des gens qui se sont attaqués par de la magie, des trucs en genre. Ok, bon, bah, on cherche Bayushi dans le pot. Enfin, pas Bayushi, on cherche les deux gens. Pose des questions discrètement. Les âmes là sans visage, elles peuvent parler ou bien pas? D'accord. Je veux bien du coup alors à ceux dont je peux, même si j'arrive à parler à une, je veux bien en fait lui poser la question en fait qu'est-ce qui a provoqué sa mort et où il était. Jette-moi un des 10. Si tu fais un 10,
J'ai bien lancé 10 là ou bien j'ai fait... J'ai lancé un des 10, mais du coup, ouais, non, il s'en souvient pas. Je peux retenter avec un autre. Bah, tu peux. Du coup, je relance un des 10. Vas-y, je relance. Bon, tu vas pas avoir droit à 25 essais non plus, hein, mais... Bon, bah, ça a l'air d'être des âmes avec Alzheimer en plus, donc du coup, ouais. C'est un peu cette idée. C'est des âmes cyber. T'as mangé un clown, toi, non? Bon, bref, ok. Est-ce que nous, on voit. Deux têtes qui dépassent. Fais manger. Ok, tu te. Non, c'est un problème, ton jet de dé là. Et puis, point d'exclamation, 3, petit G, 3. Ah, le petit G, il marche pas. Je l'ai pas mis en... D'accord, et du coup, tu traduis ça comment Ouais, mets un grand G, et puis si tu mets 10, on compte 3 10, quoi. Pourquoi je m'emmerde à me poser des questions que pas... Ouais, bon, mais du coup, il y a beaucoup... Mais vous le connaissez comment Mayuji Tagayashi là, parce que il est mort. Je pense que c'est pas impossible que vous ayez eu des rapports là-dessus sur les différentes personnes qui ont été impliquées quoi. Oui. Et de toute façon, Ryu, lui, il a eu un rapport détaillé de Nayu Yuka. Où il les a eu. Il y a un mur de la ville qui s'appelle Bayushi Takayoshi. Enfin, Takayoshi. Et donc, vous savez. Allô? Est-ce que vous savez comment? Il est mort. Je ne l'ai pas vu ici. S'il était arrivé, je l'aurais vu. Mais... Bah, si je sais, je le décris. Officiellement, il a été exécuté par la. Comment ça s'appelle? La magistrate d'Ivoire, enfin, la championne des mondes. Non. Non, officiellement. Officiellement, non, parce que il avait été gracié par le daimyo du clan du scorpion, mais qui en oui. fait était pas, c'était pas lui, c'était son état de compagnie, donc coutelier, et voilà. Donc, non, officiellement, il est mort à la bataille, ben, comme il est mort. Et cette bataille. Les colonies ont imposé leur indépendance. Et Bayushi Takayoshi-sama se battait de quel côté? La colonie, ah, il doit être chez une colonie alors. Non, il se battait contre moi. Ok. Faites-moi tous un jet de volonté, s'il vous plaît. Il doit être planté dans les colonies. Un jet de quoi, tu as dit? Volonté. J'aime bien, j'ai au moins 15 en volonté. Est-ce que tu as pu voir le jet? Oui, oui. Oui, tu l'as vu. Volonté pure, ça va être une catastrophe. Ah, c'est un chouïa de Jader, hein. C'est pas un chouïa de la Terre. Hein. Mais du coup, la Terre. Ça va. Ouais, c'est pas dur. Hein, comme... Ouais, ça va. Ça va. Et du coup, il reste. Pardon j'ai lancé des âmes de 22. Ça fait 22 je vois pas. Visiblement, le chat déconne. Bon. Ok, t'as fait 22. Bon, vous avez tous réussi, donc pas de problème. Beskar, tu vas ressentir... Enfin, Soshi... comment il s'appelle ton perso? Soshi... Akimitsu. Soshi Akimitsu, tu ressens une grande tristesse qui émane d'elle, en fait. Et limite, tu vois, ça te met la petite larme à l'œil, quoi. Léger. Mais bon, t'arrives à te contrôler et à pas succomber à cette tristesse, quoi. D'accord, je vomis pas sur son cœur. Bon. Et du coup, bah, si vous voulez aider à rechercher, hein, en fait, un jet de perception. Enfin, ce qui va l'aider, en tout cas. Et dépenser des points de vie aussi. Ah, Ryu, t'es on fire, hein. Bah,
Exas de Tiger. Bah, une autre. T'as fait combien pour son Roshi Emi? Sérieux, avec 15, c'est plus gros G? T'as fait 7? Ah ouais. Plus gros G? Eh bah, une dite. Après, il y a beaucoup de monde, hein. C'est compliqué hein, à trouver, à chercher là-dedans. Alors, après, vous allez peut-être quand même commencer à vous faire un intelligent, tu vois. Vous allez recommencer à poser un peu des questions pour savoir les dates de décès, en fait. Les dates de décès des ouais. gens, parce qu'en fait, la file d'attente est plus ou moins classée par, par décès. C'est-à-dire que ceux qui sont décédés il y a longtemps bah, sont plutôt au début de la file, et ceux qui sont décédés très très récemment sont plutôt en fin de file. Hein. Parce que c'est ce qu'on appelle un first in, first out. Hein, dans le jargon. Voilà. Et effectivement, il y a un petit stack of flow à ce niveau-là. Mais donc, du coup, vous allez pouvoir le commencer à le jouer à découper un petit peu. À trouver un peu des bornes et à resserrer pour finalement au final tomber. Ça vous a pris quand même. Bonjour. Du coup, c'est le milieu à tout être. Ouais, tu es. Alors, je regarde bien les têtes. Pour voir si j'ai les têtes Ah oui, c'est celle-là. C'est celle-là. Donc, je vais me tourner chez un Shukinja, Shukinja Sama. Du coup, au moyen de vous assurer que aucune menace inattendue ne vous observe. Alors, juste pour information, les Kami élémentaires dans ce royaume, il n'y en a pas des masses. Hein. Donc en fait, il y a un malus au sort que tu lances. Donc c'est difficile. Ok. Ah. Bon, j'avais cru entendre que tu peux lancer. Je pensais qu'il y avait un ou deux sorts qui avaient été lancés. Bah non. Enfin. T'as pas eu la réponse au Shoshi Y'a personne qui est au bout du fil ou Oui, si. Du coup, réponds à la question de monsieur. En fait, je peux parler. Ah, désolé, alors du coup, vas-y, repose la question. S'il y a autre menace pour les actes. Et il faudrait que je demande. Parce que. C'est-à-dire que du coup, je peux. Comme tu disais, lancer des sorts est plus difficile. Après, la question, c'est est-ce qu'il y a des gens qui pourraient juger les actes que vous allez faire? Oui. De manière générale, oui, j'aurais tendance à dire oui. Parce que de toute façon, c'est enregistré, toute votre vie est enregistrée, donc tout acte mauvais que vous faites est enregistré. Maintenant, maintenant vous êtes trois ninjas un running, je suis pas certain que ça soit énormément votre état d'esprit d'accumuler du bon karma. Voilà. C'est pas, si on vous a choisi, c'est pas parce que vous. Mais moi, je pensais plutôt à. Apparemment, il y a des buffs qui veillent sur la zone. Est-ce qu'on a risque d'en avoir un qui peut se faire la gueule pour avoir découpé la tête aux gens Oui, je pensais à ça aussi. La réponse est oui, mais ils vous tueront pas. Ils vous expulseront aussi. D'accord. Et s'ils nous expulsent, s'ils nous expulsent où? Bah, vous verrez. Bah, après, j'en ai aucune idée, hein. Mais dans l'idée, on vient de se faire en fait pousser au cul dans un portail. Par un Shugenja de niveau 5 dans l'idée, dans le monde où il y a des limites des dieux vivants. C'est ça? Ouais, bah après, oui. Mais l'avantage, c'est que vous, dans ce monde-là, vous êtes des esprits, donc en fait, vous prenez, si on vous attaque, en fait, là, vous prenez que la moitié des dieux. Alors, je suis d'accord, mais enfin, c'est-à-dire que je me pose sérieusement la question sur soit le niveau du Shugenja, ou sérieusement, quel droit le Shugenja a eu en fait de faire ça? Alors, le droit c'est quand même, c'est alors, même assez osé de la part du Shugenja. Tu as connaissance. Ouais. Connaissance Shugenja, t'as le droit de me faire un G parce que. Pour déterminer un peu le niveau du Shugenja d'en face. Mmh. Je sais pas qui grappe. Intelligence ah, ça a coupé. La connaissance, Shugenja, je lance intelligence ou pas? Oui.
Oui, connaissance Fuyanja, intelligence, des connaissances. Rare de faire sur eux. Ah, j'ai peut-être réutilisé un point de vie si je peux. Oui, mais j'en prie, hein, t'as droit. Par contre, vous ne. Ça va. Moi, ça va. Ouvrir un portail, toi, t'en es pas capable. Maintenant, il y a des Fuyanja qui, même, on va dire, au début de leur école, en sont capables. Et notamment, les plus doués pour faire ça, bah, c'est clairement les lions. Voilà, les lions ont une connexion avec, envers les Fuyanja lions, ont une connexion vers les royaumes spirituels. Et il y a un... Il y a certaines écoles de Bushi crabes qui ont aussi un peu des liens avec ça. Notamment, notamment l'école de... D'accord, parce que je sais qu'il existe en fait des sorts où il est possible de créer une réalité virtuelle autour de personnages, mais où c'est faux environnement. Oui. Et à ce moment-là, au moment où les personnages touchent certaines choses, ça disparaît et du coup ils s'en rendent compte. Ah non, mais là c'est vrai. Là, c'est un véritable portail. Mais en fait, il existe dans la religion plusieurs royaumes spirituels et tout le monde les connaît. Je veux dire, on peut faire des prières pour essayer de nourrir les esprits de tel ou tel. Et donc, c'est connu dans la religion, quoi. C'est aussi connu qu'un chrétien connaît le paradis, l'enfer, etc. C'est exactement la même chose, quoi. Voilà. C'est aussi connu que ça. Et il y a certains Shugenja qui sont capables d'aller là-dedans. Voilà. Mais tout le monde, sauf ceux qui ont éventuellement le défaut incroyant, sont conscients que ça existe. Là, il n'y a pas de problème. Sauf que c'est incroyable. Donc, du coup, que fais-tu, mon petit Ronin Daisuke? Du coup, tu as plus ou moins. Il y a des risques que selon nos actes, qu'on puisse se faire foutre dehors. Après, je ne garantis pas sur quel endroit on risque de nous envoyer. Après, dans tous les cas, j'avoue que si on nous met simplement hors du portail, on nous renvoie dans le royaume, je dirais pas non. Ça évitera de revoir l'autre pétasse. L'empêcher de se réincarner. Et du coup, l'empêcher de réinitialiser ses fautes et puis de pouvoir se faire pardonner à un certain niveau s'il a fait de mauvaises choses. C'est une punition extrêmement forte, oui. Même, j'avoue, je ne serais pas tenté. Pour moi, c'est un acte absolument inacceptable. Alors, le clan du scorpion le fait très souvent. Sérieux? Ouais. Le clan du scorpion a une forêt sur son territoire où il pendent les gens. Et en fait, c'est l'arbre qui a servi de pendaison qui absorbe la. Clairement. Ah bah, vaut mieux pas trop se trimballer dans cette forêt, c'est un peu l'idée, quoi. Ok, je sais pas comment le faire sans que ça déclenche avec les responsables du lieu. Après, c'est pas dit qu'ils vous voient. De toute façon, on repart comment d'ici? Je te pose une question comme ça, Shuba. Attends, je vais faire ça façon RP. Mon cher Daisuke, qu'avez-vous en tête? Que pensez-vous faire? Car je peux peut-être aider au niveau. Mon objectif est de mener à bien la mission qui a été donnée, afin de mener à bien la mission que nous avons. Une mission qui a été donnée a été confiée. De quelle façon comptez-vous faire ça? Parce que déjà ça, on se pose déjà pas la question, vraiment. Hein. Ben, comment est-ce qu'on va réussir à buter les âmes? C'est avec ton arme là, tranchante, là, comme ça. Ouais, c'est... Ouais. Et tu as déjà une possibilité de savoir si on a vraiment fait
Véritablement, oui ou non, Ça ça dépend. dépend. Vous Vous parlez parlez d'un d'un Shugunja Shugunja qui qui peut... peut vous torturer dans vos rêves, hein. Bah, Bah, ça ça dépend dépend en en fait fait si, si elle a une connexion avec par par exemple, exemple un objet ou quelque chose comme comme ça, ça, bah bah du du coup, coup elle peut savoir en savoir fait. peut-être même où Et est exactement. exactement l'objet Alors que alors que si elle si a elle a rien rien fait fait du du tout tout en en fait fait, et à ce, à mais à ce ce moment-là, elle moment-là serait très conne. Hein. mais voilà. Non, il y a une chose que je peux potentiellement faire. Je regarde. Ok, il faudrait que je regarde page 167 du livre de base, parce que j'ai la possibilité en fait de dissimuler un objet à la vue des créatures mortelles. Mais bon, enfin, vu que c'est seulement pour les créatures mortelles, c'est un peu très chiant. Mais potentiellement, en fait, j'aurais pu dissimuler l'arme et puis du coup faire ça comme ça. Ok. Pensez-vous que c'est la Mais vu la situation, ça va pas le faire. Le but, c'est de tuer l'âme, ou bien qu'elle disparaisse de ce royaume. Non, c'est de détruire l'âme. Mon but est de ramener la tête de l'âme pour la mettre. C'est dégueulasse. Alors, tu dois avoir ton téléphone par contre, ton micro. Oui. Est-ce que là ça va mieux? Désolé. C'est pas la Après, que ça puisse se passer potentiellement, je peux faire un truc, mais il faudrait que ce soit dans la situation. Je pourrais en fait potentiellement en fait rendre extrêmement agressif en fait une personne, une des âmes par exemple, et puis du coup les âmes se C'est pas un intérêt. C'est juste pour ça, pour foutre le bordel sur place, on a pas fait le bordel, ça va faire foutre le bordel. Cela peut être intéressant pour nous couvrir. Oui, peut-être. Ouais. Enfin, il faudra voir si ça fonctionne sur des. Écoute, moi je me tourne vers les dames et je leur explique que ça vaut. Mais on m'a donné une mission. Ouais. La PC que j'ai donné à la déjà. Et je vous dis que Ok. Vas-y, fais-moi ton jet. Ah, c'est bon, il part. C'est quoi comme. Ouais. Tu veux le décapiter, donc oui, c'est un jet. Bah, la difficulté, c'est 20. 20 au total. Alors que t'aurais pas essayé de le décapiter, la difficulté c'était 5, donc c'était automatique quoi. Alors, question, est-ce que le F est tout cata? Oui. Et tu relanceras T1 si t'en as. Et t'as pas. N'écris pas le S. Si tu l'as écrit. Oui, je vous ai dit que je l'ai pas mis l'alias, donc forcément. Hein? Bah en fait le S il casse l'opérateur K. Donc du coup l'opérateur K il compte tout. Après tes résultats sont pas triés du coup. Mais parce que K n'a pas fonctionné, puisque K n'a pas de chiffre. Donc K ne sait pas, il a fait moi je peux pas travailler, donc les opérateurs sont plutôt en mode friendly user, quoi. C'est-à-dire que s'ils peuvent pas le faire, ils passent la main. Pas Attends, j'ai déjà relancé le 1. Ah, tu vas relancer ton jet là tout pourri et puis m'en faire un normal et puis on en parle plus. Hein? Voilà, mais t'as quand même un, donc tu peux le relancer celui-là. Oh putain! Voilà. Change rien. Voilà. 128. Ok, bah tu réussis. Bah vas-y, fais moi petit dommage et puis on en parlera plus. Hein. Il décapite. Du coup, sa frangine se met à courir. Hein, c'est bon. Et les autres, ils font rien. Ben, je sais pas ce que d'autres font. Mais en tout cas, Ah si. Je saute pour choper les pieds pour la faire tomber. Oui, bon, ça y a pas de problème. Hein. C'est pas très compliqué. Bah, tu me fais ton deuxième jet.
toute façon, il n'y a pas de sang, il n'y a rien du tout là. C'est bon, dommage. 31. Ok, tu l'ouvres en deux. Pas de problème. C'est fait. Vous avez. Ouais. Je pense que je parle de mes occupations sérieusement de cette. As you want. Est-ce que vous faites quelque chose? Et du coup, en fait, en ayant tranché les deux âmes, il y a un portail qui apparaît, il y a quelque chose ou il y a rien du tout? Bah, pour l'instant. Ok. Je veux dire, c'est pas au tac au tac, quoi. Est-ce que on a le nom de certains individus de l'époque et pour... Bah, je veux dire, si quelqu'un en a, c'est toi. Hein. De l'époque, c'est laquelle? Ouais, je sais pas. Je pense par exemple à la Kakita. Je pense à la. Ah, si, son frère. Non, le frère de Yuka, mais je vois pas à quoi ça nous servirait. Je vois pas trop comment exploiter, parce que le but, ce serait de trouver de pirater une chine. On a quelque chose à foutre de pirater une chine. Non, bah, en fait, le frère de Yuka s'est suicidé à cause de ce qui est arrivé à cause du pirater une chine. Donc du coup, il en arrive à venger un petit peu la mort en découvrant, mais bon, officiellement, il est mort, donc... pas trop, est-ce que genre zigouiller son âme pourrait lui faire plaisir? Je vois pas trop comment expliquer. Là, je vois pas trop qui aller voir vraiment pour être utile en fait. Ah si. Le fils de l'empereur, voir son point de vue de ça. C'est celui qui est mort tranché. Ouais, mais lui il est dessouillé. Les âmes souillées, ils vont direct. Quand on est rentré, le portail il s'est refermé directement sur les portails ou il reste ouvert? Non, il s'est refermé du bas. Mais en gros, en gros, la question c'est est-ce que vous avez envie justement de faire des choses là et de poser des questions? Ah oui, il y a une question de moi qui a déjà découvert pas mal de choses. Il a déjà participé. Voilà, moi en gros, je fais intervenir le portail quand vous avez fini votre scène. Voilà, si vous n'avez plus rien à faire là, on passe à la suite. Si vous voulez encore faire des trucs, je vous laisse faire des trucs. Voilà. Il n'y a pas grand chose. Enfin, son objectif, c'est de revenir à Rogue dans le monde réel pour aider. Mais le boy, je suis quelqu'un, ça veut dire quelqu'un de connu à l'époque. Genre, tout comme la mérimité, il a l'air de connaître. C'est intéressant d'aller lui poser les informations. C'est même essentiel. L'intuition. Bah, écoutez, ça sera un petit peu l'équipe que d'aller effacer les hommes. Bon, mais gagner à la confiance d'une personne de la résistance. Ce n'est pas une personne, c'est tout et plus une personne qui travaille pour son compte personnel. Mais je suis tout à fait d'accord, ce n'est pas une résistante. Si c'était vraiment une résistante, ça fait longtemps qu'elle aurait pris. Non, qu'elle aurait fait des choses. Vraiment, elle massacre la population locale. Oui, pour moi, c'est de la grosse saloperie qu'il faut même éliminer. Hein. Nous pouvons maintenant nous occuper de tranquille à partir de ce que ça pourrait être. Voilà, c'est peut-être que pour pouvoir évoquer des émissions, ça fait comme une proposition de chercher. Mais personnellement, je sais quelles questions poser, je prends. C'est à qui que vous voulez poser des questions? Bah, à la Miromoto. Ouais, bon, elle est à côté de vous, hein, donc. Ah bah, alors là pour le coup elle vous a quand même vu défoncer deux âmes donc c'est un peu taquin. Elle va s'éloigner gentiment de vous hein. Miromoto Tomoe Sama. Faut que je montre que moi je ne suis pas armé. C'est une déjà. Ouais. Pour qu'on ait discuté. Oh bah j'aime l'éternité en fait hein, mais c'est Que votre collègue range son arme, hein. C'est pas... Non, moi, j'ai rangé mon arme, voilà. Écoute. Que ça a vu de Bayouchi Kakayuki Sama? Ça fait l'air de comment? Bah là, elle part, c'est un homme grand, fort, juste, mais je pense qu'il a été corrompu par, à côté. Oh, il était fidèle en ami. Un peu détourné du devoir, des fois. Pekka, il était il est le magistrat qui a, enfin, le samouraï qui a fondé la magistrature d'Ivoire. Et, dans laquelle j'ai officié.
Elle te fait un portrait de lui, en travers, clairement, voilà. Et la fanboy, enfin la fangirl de Takayoshi d'Akayoshi, pardon. D'ailleurs, vous vous surprend parce que vous, Takayoshi, vous le connaissez comme Ronin, en fait, comme sans une famille, en fait. Bon, vous, effectivement, vous, vu que vous êtes trois du clan du Scorpion, il y en a quand même, vous devez quand même savoir qu'il était à la base du clan du Scorpion. Et vous, qu'est-ce qui se passait à cette époque? Comment... oui. Bah, elle te donne des descriptions, mais c'est des questions précises, je peux y répondre, mais si tu... Non, pour ça, je suis dans une âge, donc des fois que nous passons chez Facilité, ce qui se passait pas, c'était aussi partie de ce qu'elle avait demandé, d'avoir comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, et... Bah, elle sait pas trop, parce que, elle va vous dire que c'était gros, globalement, la situation n'était pas super, super, elle enquêtait sur, l'approche de la demeure de la Kodo Kisama, et, que vous connaissez sous le nom des Chi, hein, et voilà, et que bah du coup, en fait, l'assassin était quelqu'un qu'elle ne soupçonnait pas et qui était une alliée normale, normalement, aurait dû être passé comme prévu. Et par contre, elle va vous poser des questions sur l'indépendance, etc. Parce qu'elle, elle a pour elle, elle connaît la forme. L'indépendance, c'est-à-dire que c'est lui qui l'a déclaré, donc. Je vais revenir sur un truc, le fait qu'un neuvième dame, on va dire son visage, ça correspond à la proportion dans la à peu près. Mais par contre, avec le gros tas en début de fil, bah du coup, ça casse cette proportion-là. Voilà. Il y a combien de temps, en gros, À qui tu demandes ça? À moi? À OMJ ou à ouais, ouais. Une dizaine, je crois, non? Bah, fais-toi la liste dans la tête. Tu aurais tout un qui serait les 30 ah ouais, j'en compte 10. Bah, y'a pas un qui va aller demander ou penser, là, de quelqu'un? Bah, y'en a qui parlent, hein, y'en a qui sont capables de vous donner une conversation. Mais maintenant, si vous leur demandez des détails sur leur vie passée, ça c'est plus compliqué. Mais, y'en a, là, ils ont même voulu parler, hein. On parle, demander. Ouais, je vais faire le tour pour faire quelque chose. Oui, pour ça, c'est bon. Si c'est un peu faire des design problèmes, c'est peut-être un plan en particulier qui a un souci avec les colonies. Enfin, c'est pas les colonies d'ailleurs, c'est général au monde alors. Ouais. Bah, ils ne le savent pas. Ils ne peuvent pas me répondre, ils sont incapables de le savoir, ils réfléchissent. Bah, c'est simple alors. On pose la question aux autres, les questions vous êtes, on se reverra bien si. Ok. Ouais, on note les temps. Non, il sera pas de parfait. Bonjour, Samurai Sama. Dans quel coin, par contre? Alors, attends. Ah. Je vais essayer de départ. Ah. Là, c'est un village. Enfin, du coup, je vais en voir un autre. Il est un peu plus loin. Un peu plus proche. Du coup, Samurai Sama. Araignée. Quatrième. Samurai Sama. Phoenix. Tu connais la règle de répartition? Des... Bah non, mais c'est-à-dire que vous avez une liste de machins, moi je tire un dé, voilà. Il est possible que ça prenne du temps. Oui, bah oui. Bah si on est plus longtemps, on a plus de chance. Le portail! Bah du coup, je vais lui donner un coup de main, je pose des questions aux gens aussi. Il y a une voix qui vous appelle. Vous de revenir. Remercie. Non. Ouais, je vais dire le portail. C'est de même. Moi, je balance une énorme boule de feu à travers le portail, et puis elle se la. Et moi, j'essaie de poser des questions pour savoir si tout le monde de quelqu'un manque. Enfin, le seul qui me cause des problèmes. Alors, la question, c'est est-ce que tu le fais vraiment? Oui, j'essaie. Quoi. Je parle à Sushi. Pour la boule de feu. Non. Je ne fais pas vraiment. C'était une blague, ouais. mais c'est très drôle. Si jamais je garde l'option. Shiemi, tu fais quoi déjà? Tu m'as pas entendu. Bah, quand tu poses des questions, un peu, c'est que samouraï qui sont proches du portail, histoire de voir. Si j'ai pas tombé sur le truc là. Ouais. Okay. Pardonnez-moi, samouraï, ça m'a, je vais te déranger. J'étais du temps de la grue. Ça ne se voit pas?
Oui, mais après. Bon. Comment est-ce que je le mets en quoi? Ah, si j'avais mon katana, je... Permettez-moi de vous laisser, ça m'a fait plus de l'autre. Donc vous arrivez de l'autre côté, donc bah vous êtes vous arrivez dans la même pièce dans laquelle vous êtes parti, hein. Où on vous sert de trucs à manger, etc. On vous demande si ça, ça s'est bien passé. Est-ce qu'il y a des blessés? Très bien. Du coup, là, Samurai Sama, je vous remercie d'avoir accompli ma vengeance. Je sais maintenant que je peux vous faire entièrement confiance. Vous êtes prêt à tout pour réussir une. Maintenant que vous avez obtenu que nous étions de confiance, quelle est la suite des opérations? Et comment pouvez-vous vous assurer qu'on va avoir vous Bah, je ne sais pas. Comment voulez-vous petite interlude vous a peut-être été un peu dérangeant, mais j'avais besoin de savoir si vous étiez prêt à commettre même contre nature par ailleurs mission, et de gérer une troupe clandestine est compliqué, et parfois nous devons gérer les petites turbulences et vous faire paraître quelques heures, un petit peu plus, a permis de calmer un peu certains esprits un peu trop chauds. Échauffé. En fait, pratiquement une journée, un peu moins. Voilà, j'ai mis direct. Hein? Vous inquiétez pas, votre matrone a été dédommagée. Yui. Je suis pas une combattante du tout. C'est grave. Je pense que c'est le repli. Il y a de nombreuses façons. En effet. Vous voyez la Shuganja qui est quand même très très joyeuse. Hein. Elle est vraiment radieuse par rapport à la première fois où vous l'avez vue. C'est moi, c'est mal. Connaissez-vous un certain Yushu. Alors là, faut que tu expliques au MJ parce que le MJ voit pas qui c'est. Hein, donc, C'est le samouraï que j'ai sauvé la fois dernière. Ah oui! Oui, c'est ça. Tout à fait. Oui! Oui, c'est dans mes hommes. Il a été soigné. Il respire l'air frais un peu loin de la cité. Ah, dommage, il était d'accord. Ou il reviendra bien assez vite. Ainsi, avant que vous repreniez tous vos couvertures, j'aimerais vous expliquer l'objectif que l'organisation essaye de remonter depuis. Être au plan à l'exécution depuis un certain temps, et d'identifier la réserve de poivre Gaijin détenue par et mobiliser une troupe à l'intérieur de la cité au bon moment, quand une armée de Rokugan sera au port de la ville pour faire des diversions, créer une diversion à l'intérieur de la cité. Et qu'une petite troupe, ou un espion, ou quelqu'un d'infiltré, ou que sais-je, puisse mettre feu à ces réserves-là, afin de créer une brèche dans les et détruire la principale arme qui empêche Rokugan de d'envahir et de prendre la ville, et ainsi laisser d'aller en tapis rouge pour l'armée Rokugan. Ça, c'est mon objectif. L'objectif de mon organisation maintenant, ce n'est pas forcément le seul, nous essayons de recruter d'autres personnes, évidemment. Nous essayons de faire gagner nos idées à un ensemble de personnes, pour essayer d'avoir plus de soutien, plus de cachettes, plus de financement, de soldats, et pour essayer aussi de protéger nos familles, les familles de nos hommes, etc. C'est une opération. Je ne sais pas si de votre côté vous aviez une approche. Personnellement, j'ai cherché des informations sur tout ce qui est armement et détails particuliers afin de faire tomber ou créer les disparités. Agir au bon moment quand l'opportunité sera présente. De mon côté, vous pouvez rallier certains
certaines classes de population en marge de la société pour commencer à saper les locales. C'est moi, comme quoi, j'ai des questions sont toutes un peu indiscrètes. Si nous devons travailler ensemble, quel est votre nom ? Toric, je dirais. D'une Samoa et du camp. J'ai autrefois vécu, j'ai été envoyé par mon clan dans les colonies et j'ai épousé Samoa du clan du Scorpion, Toshimiko, je m'en rappelle plus. Pas, tu t'en rappelles ? Qui ? Le prénom de ton frère. Hein ? Et voilà. Et j'ai eu avec lui, mais il est mort sans jamais avoir compris. Et tout ça à cause de la stupidité de la gouverneure et de la stupidité du frère de mon mari. Un peu. Il m'a fallu beaucoup de temps pour me remettre du deuil. Mari, Sushi Kenjiro, après le mariage. Et quand mon fils a été en âge d'être adulte et de pouvoir évoluer sans moi, j'ai commencé à fonder au parallèle, en amont, commencer à sonder un peu les individus qui étaient en accord avec ces nous, voilà. Vous étiez donc là à l'époque des... Comment ça s'est fait ? Alors le truc c'est que je me rappelle pas que si... Ça reste toujours un mystère pour... la bataille. Je me souviens pas qu'elle était dans la cour pendant la déclaration en fait. Elle était probablement ailleurs quand ça s'est passé. Par contre pour la bataille oui elle était là. Elle a pu entendre des choses. Je sais toujours plus que ce qu'elle connaît au couvent quoi. De ce que je sais la gouverneure a énoncé le fait que elle avait reçu des ordres. J'ai pas trop les détails de comment ça s'est vraiment passé dans les faits et machin, mais bon. C'est que un ordre a été donné. Les gens étaient réticents à cet ordre parce qu'il était un peu trop violent. Qu'ensuite, la cour a été informée que c'était un ordre d'impératrice. Et que du coup, protéger les gens dans la pièce qui ne voulaient pas de leur plein gré l'ordre de l'impératrice de Rokugan. La gouverneure s'est autoproclamée impératrice et a annulé cet ordre. C'est elle qui a pris le déshonneur de désobéir à l'impératrice, passée aux yeux des autres comme une sauveuse, bien capable de prendre les bonnes décisions. Comme c'est une partie de Rokugan, toutes les personnes que nous avons questionnées de ces sœurs nous ont affirmé que. Oui, c'est ce que je m'étais douté. Avec les quelques contacts que j'ai eus avec les Rokugani depuis lors, j'avais pas eu de confirmation nette et précise, mais il semblait. Est-ce que vous êtes certain elle note l'information. Clairement. De mon côté, j'ai ramassé des preuves comme quoi la gouverneure avait préparé ce coup depuis longtemps. Je suppose que du côté des clans qui ont fait ces sessions, cela devrait venir à n'importe quoi. J'avais peut-être déjà parti pour prendre le contrôle de. Enfin, je vais d'abord répondre à Captain. Tu dis quoi, Captain ? C'est juste une remarque sur le fait que je suppose que les sujets de venir n'avaient pas cours dans les clans. Effectivement, sur le. Le coup, non, mais c'est arrivé tellement rapidement et je pense qu'il y avait quand même un ras-le-bol général de la population et des samouraïs au propos de décisions, la pression fiscale, etc. Donc, ça a été bien accueilli. C'était même espéré, voire demandé par une part de la population. Est-ce que les clans qui ont fait session n'étaient pas au courant Je pense que les plus intelligents, sans doute, ne faisaient rien du tout. Tesuke, c'est quoi Avez-vous connaissance de personnes qui auraient été ses alliés et actuellement on est en connaissance de la lutte.
Ah, du but final, je pense que personne n'est au courant. Ça me semble assez évident. Cependant, je pense qu'un certain ont été impliqués et ont servi de complices, soit leur insu, soit ont bien profité. Et sait-on de la souillure qui a été vécue à ce... Et j'ai moi-même participé en Anshu Genja à la sollicitation des lieux pour protéger la ville de ce mal. Ces faits-là sont les faits de l'impératrice et de son bras droit. Il n'a pas aidé à renforcer l'image de l'empire de Rokugan au sol. Vous voulez dire que l'impératrice d'Ivoire est une, j'ai pas entendu la fin. Elle est souillée? Non, non. Non, non, je ne pense pas qu'elle est cas de. J'ai bien observé, j'ai bien enquêté. Après tout ça, et je pense qu'elle était sincèrement surprise. Mais elle a su en tirer un gain politique après coup. Okay. Par exemple, je peux vous donner un des complices qui me semble assez évident. Il s'agit d'un Ronin qui s'appelle Eshiro, et son père Akato était probablement le cerveau de l'opération. C'était ça, Akato. C'est un Ronin, hein, c'est ça? Tout à fait. Chef de l'opération de la souillure, en fait. Non, c'est une autre opération. Justement, je cherche en fait un oui. Ah, donc c'est avez-vous entendu parler du village Ubayama Mura? Tu parles du joueur ou du personnage? Ouais, un peu les deux. Mais... Le joueur, c'est pas le village des renards, ça? C'est celui qui avait été fondé parce qu'ils avaient récupéré l'ancien village de. Ah. Donc ce village est un village des colonies qui est à moins d'une semaine de marche de la capitale, de Gontide. Elle utilise ce Gontide. Et il est aux mains de, il était aux mains il y a presque 20 ans maintenant d'Akato, un vieux Ronin qui a eu de Beto et Ishiro. Et Ishiro a repris la relève. Enfin, parce que son père est mort un an ou deux avant l'indépendance. Dans tous les cas, il y a des preuves comme quoi les Ronin qui étaient entraînés, enfin, des témoignages plutôt. Témoignages qui pensent que Ronin qui ont été entraînés là-bas et qui ont ensuite servi de collecteurs d'impôts en se faisant passer pour des yokai. D'accord. Ce qui aurait permis de provoquer des colères supplémentaires. Ouais, contre l'Empire et tout, du coup, qui a organisé ça, puisque, voilà, comme tu dis, ça va. Et puis surtout qui a récupéré l'argent. En gros, qui a lancé cette opération? En tout cas, c'est un truc qu'elle est. Résioté dans le village là. Tout ce que je pense, c'est que l'argent a été utilisé pour. Que l'opération a été montée d'une certaine façon à que ça retombe dans les poches de la ville a tenu un siège pendant presque un mois sans avoir de problème de nourriture. Et nous avons pu. Enfin. Ça va pas dire ça, ça va dire. Et je sais que l'armée de Seconde Cité a pu négocier un traité de paix plutôt avantageux envers les Ivindi et envers les l'Empire du Yozotai, donc une armée de mercenaires était présente. Je pense que certains ont eu de primes généreuses grâce à ces. De plus, ça avait un autre avantage, c'est que les impôts gagnés par ce système nourrissait pas le futur ennemi qui en avait bien plus besoin. Alors, évidemment, ce ne sont que des témoignages que j'ai pu que l'organisation a pu regrouper et rassembler, ça date d'il y a maintenant. Et bizarrement, le nombre de témoins a drastiquement diminué après la première année. Ouais, clairement. Et après, on s'étonne que je sois paranoïaque. Malheureusement, ceci confirme la menace actuelle
Donc je pense que l'usurpatrice, je prends pour l'impératrice, est quelqu'un de très politiquement doué, très intelligent, qui a su passer ses plombs au bon endroit. Maintenant, elle est en poste depuis 10 ans. Elle se pense en sécurité. Et c'est, je pense là qu'elle fait. C'est que son plan a été tenu. Donc maintenant qu'elle est au sud, elle n'a pas forcément de plan pour y rester. Donc, du moins, les menaces sont cachées. Du coup, nous avons une chance à jouer. Oui, assurément. À l'heure actuelle, les types des. Il y a un groupe de résistance plutôt inhumain, mais qui sont. Ils ne cherchent pas les mêmes choses que nous. Mais bon, certains objectifs pourraient peut-être relativement proches des nôtres, mais la négociation avec eux est très compliquée et ils sont plutôt en situation de. Donc eux souhaitent récupérer le pouvoir sur leur pays. Et nous, nous souhaitons plutôt le retour de Rokugan. Et évidemment, eux ne partagent pas notre objectif au final. La nation de Géopatrice est, disons, quelque chose de commun. L'embêtant, c'est que ces idées-là sont encore minorites. Quels sont les points de tension à l'heure actuelle ? Des menaces ? Mais quels sont les points sur lesquels les gens se heurtent? C'est que la religion. Il y a un certain nombre d'irréductibles dans les deux. Et une part non nulle de nouveaux samouraïs commence à adopter une religion un peu mixte. Et cette génération est la pire forte car. Ils se perdent dans la culture. Quoi. Leur tradition, ils oublient de vénérer certaines fortunes, certains gamins. Ils en vénèrent d'autres qui sont de faux dieux. J'ai peur pour leur. Nous avons vu le régime que vous avez conquis. Et. Ils n'ont pas de souvenirs, en fait, pour la plupart. Incapables de parler. Non, nous avons bien conscience qu'il y a probablement. Des forces obscures qui règnent quelque part. Que pouvez-vous nous dire justement sur les forces de Jibou? Quels seraient les adorateurs? On en connaît, on n'avons pas remarqué, fréquenté, trouvé. Après, je dois vous avouer que je ne perds pas la sécurité de la ville. Peut-être que les gardes ont été arrêtés, trouvés, tués, etc. Pour ma part, je n'ai rien senti magiquement. Là, ça reste probablement un des adorateurs qui. Par contre, côté Yindi, il y a des sectes destructeurs qui refont surface de temps à autre. Et vous avez ouï dire que les rebelles Yindi étaient assez tenaces sur les forces gouvernementales. Est-ce vrai? Donc ils sont beaucoup plus aveugles. Ils tuent beaucoup plus car ils n'ont pas de distinction entre indépendants, enfin entre nous. Nous sommes potentiellement des alliés entre les parties qui représentent un vrai danger pour eux et les personnes qui semblent offensives. Y a-t-il des régions non contrôlées par le Royaume du Nord? Non. Le gouverneur s'est assuré un total soutien de toute la population et les leaders à un contrôle important sur la communauté et de plus en plus de couples mixtes se forment. À l'image, est d'ailleurs encouragé par les autorités pour. L'histoire de ce jeune. Il y a des irréductibles dans les deux. Donc dans le clan de Rokugani, les irréductibles sont plutôt à la recherche de l'illumination, d'un nouveau cercle karmique propre et afin de revenir dans
un vampire, alors que les autres cherchent plutôt une approche radicale. Le reste, enfin beaucoup se font de thèses quand l'argent, la vie dans les colonies s'est pas mal améliorée depuis que officiellement depuis l'indépendance, c'est le cas. Les impôts prélevés ont servi à améliorer la situation, donc la plupart des gens ont vu une nette amélioration. Et comme quoi la gouverneur devenait pas résiduelle. Ouais. Je vois pas d'autres questions posées, mais c'est déjà des informations que. Genre, c'est dur, hein. Les défenses de l'Empire ont l'air âprement, enfin, d'âpres combattants. De ce que nous avons pu voir au début de la parade, ils ont réussi à repousser des agresseurs, des soldats de l'Empire Bethany et pour savoir se battre. Alors, Yoshi, qui a apparemment tué plusieurs de vos hommes. Il a été formé par sa mère. Ouais, elle a marié un idiot, elle a mis au monde. Elle refuse de voir. Elle sera une des adversaires les plus compliquées dans nos opérations. Car si elle trouve. Enfin, si son clan trouve un des nôtres, ça ne donne pas sur le sein. J'ai eu l'occasion de croiser ça avec elle dans tout tournoi. C'est vrai. C'est une solide combattante. Au sein des forces armées, qui commande? Vous allez voir. Et Eishi Sama. Et le général qui a sauvé la ville de plusieurs reprises quand les armées de Rokugan sont les premières armées. Notamment grâce au pouvoir de Gaijin, mais pas uniquement. Ha ha! Oui, mais ici, c'est mieux. Avez-vous des informations qui nous permettraient d'infiltrer certaines sphères ou certains groupements afin de nous faire intégrer par ses membres? Ouais. Par exemple, certains secrets. Vous avez des cas en particulier, par exemple, les employeurs de Soshi Akimitsu sont des gens qui savent se taire si nous les payons suffisamment. Nous leur faisons confiance quand nous avons de l'argent et ça. J'essaye de me faire bien voir auprès de certaines puissances afin de pouvoir approcher et de devenir confident auprès des grandes huiles, donc en gros les grandes personnalités des clans, voire même de pouvoir plus tard aussi approcher la cour de l'impératrice d'Ivoire. Avez-vous les moyens de pouvoir pas augmenter mais faciliter mon ascension artistique afin que on va dire que je puisse être écouté et utilisé par d'autres grands? En gros, est-ce qu'ils ont l'oreille de certains ou de la foule, par exemple? Nous pouvons faire augmenter votre réputation, c'est entièrement possible. Bah, ça suffira à vous faire franchir notre porte. Ça pourrait vous en ouvrir quelques-unes, en tout cas. J'espère. Oui, ça pourrait être très bien. Est-ce que il est possible pour vous de nous donner, je pense, à quelques noms pour que notre aimable camarade, je pense, Captain Red, peut-être trouver un parti qui saurait l'amener à certaines sphères? Alors, pour vous, Ryu Sam. Ouais, elle parle à Ryu d'abord. Ouais, oui. Je pense que le candidat serait idéal pour vous, serait Zia. Elle est jeune. D'accord. Bercée par de nombreux conversations, car elle est très douée au sabre, son âge. Mais leur habile pourrait peut-être réussir à s'approcher d'elle. D'accord. Et là, les autres temps ont plutôt tendance à rester dans leur capitale. Le clan reste
Est-ce peu souvent dans la ville. Une raison particulière si. Donc à la sécurité de leur territoire à gérer. Et je sais que certains ont parfois ordre de la gouverneure de le faire. Enfin, ils ont tous même l'ordre de gérer ça. Hein. Et voilà. Pour revenir à la question de votre ami Tetsuke, qui tient la garde. Donc là, le clan du Jaguar maîtrise tout ce qui est armé, et donc la défense des frontières. Il y a eu de nombreux accrochages avec des forces Rokugani, et quelques petits accrochages dans la jungle, avec des résistants qui ont été, des petits villages, choses comme ça, qui voulaient résister, mais qui se sont fait raser. Soit par le clan du Jaguar, soit par le clan qui est plutôt basé sur la jungle, donc il y a plus de taille sur la jungle, donc ils sont plus proches. Et le clan du Jaguar a aussi montré ses muscles à la frontière pour face au Yoran. Ensuite, vous avez la garde de la ville, qui est mixte, et qui est une certaine juridiction. Vous avez compris. juridiction, voilà. Et dans la ville, et qui du coup ne se laisse pas trop embêter, parce qu'ils souhaitent mener les enquêtes, etc., etc. En parallèle de ça, vous avez la magistrature, qui fait un peu la même, mais dans toutes les colonies. Magistrature qui est principalement nourrie par le clan, qui du coup est tout le temps en train de se disputer, c'est des espèces de, entre guillemets, clair de clocher. Tous ces clans qui se disputent les rôles, et ça reste bon enfant, hein. Enfin, ça reste diplomatique. Dans tous les cas, et en parallèle de ça, vous avez le clan du Genma qui protège et qui du coup ne voit pas forcément toujours d'un bon œil que l'armée se mobilise pour sécuriser pour emprunter ces routes là. Et les ou éventuellement, le clan du Genma peut aussi des fois assurer de certaines affaires. Je reviendrai normalement à la magie. Voilà. Et quel est le niveau de corruption de la garde et de... En ville actuellement, donc le couple formerait l'héritier du clan du Pan, pas du Pan, du. Du Genma, Zia Otaku, Zia Kimi, pardon, Zia Kimi Sama, le fils, est un couple que beaucoup de gens espèrent. Bah, je sais pas, au même titre qu'il y a des gens qui espèrent que le prince d'Angleterre va se marier avec une connasse, quoi. C'est la même chose, quoi. Et voilà, c'est people, quoi. Il n'y a pas de raison particulière, quoi. Mais, ils ont le même âge, ils se connaissent depuis longtemps, leurs parents étaient amis, etc., etc., quoi, donc, ils sont mignons tous les deux, voilà, donc on pense qu'ils forment un beau couple, quoi, c'est juste ça, quoi. Et du coup, voilà, et ils s'apprécient tous les deux, mais pas à ce point-là, quoi. Et donc, jouer les troubles de fête là-dedans, ça pourrait être marrant. Entre qui le clan du Ah oui, d'accord, ouais, c'est bien ça, et sa mère qui essaie de se remarier. Non, c'est les deux fils. Ah, ok. Enfin, le fils et la fille, plutôt. Qui formeraient un joli couple, et donc, du coup, il y a pas mal de gens qui aimeraient bien voir ça arriver. Et il avait eu des. Le Takayoshi avait eu un enfant, enfin. Oui, mais oui, mais non, c'est le fils de Takayoshi avec la fille. Ah, ok. Yeah. Ok. Il est en Rokugan. Ouais. Et du coup, je sais pas si j'avais décrété que ton personnage avait eu un fils ou une fille ou autre. Tu veux Non, pour l'instant tu m'avais pas encore dit, après je verrai. Et voilà. Mais voilà, donc. D'accord. Après, réfléchissez si vous avez d'autres questions. Hein.
que là, je vous pourriez prendre sans problème. Bon, il est bien tout heure, donc on va pas tarder à arrêter, mais... Est-ce qu'il y a un moyen pour la contacter, du coup, facilement, plus permanente? Bah, il faudra mettre au point un stratagème pour se rencontrer, évidemment. Et le fait de laisser, par exemple, une cache secrète dans la boutique de sushi pour laisser des messages, et que elle envoie quelqu'un qui fouille, un truc comme ça, enfin qui fouille. Yo, je regarde un truc, pouf, je prends le message et je repars, enfin, tu vois, un truc comme ça. Ça peut se faire. Ouais. Ça va être, ils vont acheter un kimono une fois par semaine, toujours à la même heure. Et dans le kimono, il faudra placer le message que vous voulez donner. D'accord. Et en échange, bah, eux, quand ils paieront le kimono, ils vous donneront un message, quoi. Ouais, c'est facile, besoin, c'est faisable, ça. S'ils ont besoin de le faire, ils feront ça comme ça, quoi. Super easy. Non, c'est pas trop compliqué. Dans la bague de la ville, ce sont des points, les têtes, comment on peut les obtenir? Je pense que votre ami Shiaki Mitsu a plus de d'informations que moi là-dessus. Y a-t-il des factions internes à la ville, mafia, quelques factions, je veux dire, très coupées, il nous avait paru intéressant de voir qu'il y avait des factions dans des contrôles de quartier. Dans tous les quartiers habités par des ennemis, il y a évidemment la pègre, qui a trois visages différents. Donc ça se dispute entre ces trois groupes-là. Ce sont des petits caïds, entre guillemets. Ils ont pas d'envergure. Ce qui les intéresse, c'est de l'argent. Entre eux. Et en ce qui concerne la... On m'a dit, Yoji Yuka, ex-Yoji Yuka, donc Nayu Yuka, m'a dit qu'il y avait dans le quartier des temples des individus qui... J'y venais. Et des... Comment ? J'y venais. Dans le quartier des temples, il y a... deux factions qui s'opposent principalement. Il y a les traditionnalistes Rugan, et les traditionnalistes Vindi. Il faut savoir que partie du quartier du temple a été démolie pour laisser place à des temples. Et donc, partie des moines et du clergé qui se trouvaient là-bas a vu ça dans le mauvais. Et c'est pour ça qu'il y a parmi les membres de mon organisation, de nombreux de samouraïs très pieux. Et effectivement, par là que j'ai commencé mon recrutement. À l'époque, j'y vivais. Donc c'était assez. Et dans le quartier. Quand est-ce qu'est venu votre changement, puisque vous avez suivi d'épouser les valeurs de la nouvelle impératrice d'Ivoire? À quel moment avez-vous décidé de revenir dans l'idéal recrutement? Ah, depuis le début. J'ai toujours. J'ai jamais vraiment accepté l'idée de suivre la vie de cette usurpatrice. Cependant, au moment de mon indépendance, j'ai voulu me faire seppuku, protéger la vie de mon enfant. Et du coup, quand il est né, j'ai pas réussi à l'abandonner. Car il n'avait que moi. Et la situation était un peu compliquée. Et de toute façon, je n'avais pas de solution pour le faire par le plan de donc. Mais maintenant, je sais bien qu'elle est du clan du Lion. Parmi les membres du clan du Lion et qui ne se sont pas suicidés, est-ce qu'ils expriment tous le même avis que vous? Non, beaucoup de samouraïs de Lyon ou d'autres clans ici n'étaient pas forcément de gens très très vertueux et très honorables. Ceux qui l'étaient sont restés que ce soit de la gloire, que ce soit de l'argent ou d'autres. Et auriez-vous une liste ça c'est plus pour plus tard qu'on a une liste. De noms dont vous savez que la... Comment ça s'appelle?
La foi envers le royaume d'Ivoire, on va dire, monnaie de singe, tu vois, qu'elle sait qu'il y a des gens, même s'ils se veulent pas résistants, ils sont quand même, je veux dire, ils sont pas des vindicatifs, du style, tant qu'ils ont à gagner quelque chose, ils sont prêts à bouffer tous les râteliers. Tu vois, pour que quelqu'un, ouais. Que s'ils verraient l'Empire Okoukan revenir, eux, ils n'ont aucun problème à changer si on leur pardonne et qu'ils sortent avec la caisse. Ouais, il y en a quand même pas mal, hein. Il y en a quand même vraiment pas mal, hein. Toutes les personnes qui sont dans le commerce, c'est ça, hein. L'idée, c'est un peu ça, hein. C'est que, en fait, eux préfèrent même l'empire actuel parce que c'était moins taxé, etc., etc., là. Et au moins, quand ils payent, ça fait des routes à côté de chez eux, ça fait pas des routes à 2000 km de chez eux. Tu vois l'idée? Donc, du coup, globalement, les affaires se déroulent mieux sous cet empire-là, enfin, sous l'empire d'Ivoire. Donc, même ceux qui ne verraient pas trop de différence entre les deux, bah, à choisir entre un mâle qui est à côté de chez toi et un mâle qui est très très loin, on préfère le mâle à côté de chez soi, quoi. Simplement, parce que au moins, voilà, ça fait chier, mais au moins, ça ferait des infrastructures pour nous, quoi. Voilà. Donc, Il y en a peu qui seraient prêts à s'engager physiquement, militairement, etc. pour protéger l'empire d'Ivoire. Mais il y en a quand même beaucoup qui estiment que c'est quand même une meilleure idée que des colonies à la tête d'un empire qui est loin, quoi. Voilà. D'accord. Et en ce qui concerne que pouvez-vous me dire sur le pirate Senshi? Car Doji Yuka elle vit un deuil depuis la mort de son frère qui se suicide aux exactions du pirate Zenshi, et je me demande si j'aurais pas les moyens de trouver peut-être une information qui me permettrait de la retourner plus virulemment contre l'Empire. Il semblerait que l'impératrice a magouillé à forte raison à certains moments contre l'Empire. Et peut-être que si on a des vieux dossiers, ça pourrait peut-être montrer à certains clans certaines erreurs où c'est trompé et du coup demander des comptes et déstabiliser. Qu'est-ce qui est arrivé à Magnifica? Thomas, c'est une femme que je respecte. Et elle n'avait pas été endeuillée par tout ça. Je pense qu'elle aurait été d'une aide importante. Pour ça, peut-être qu'il serait temps d'arriver à lui faire lever son deuil pour lui laisser la colère et la vindicte. Vous avez des informations sur cet événement ou des personnes allaient interroger? Alors, c'est une courtisane du clan de la grue, elle a été formée dans les principes du clan de la grue. Elle n'a pas du genre à se laisser succomber par la colère, c'est la compassion qui est mise. Ouais, mais bon, il y a du sang qui quitte dans les veines. Et puis, mais du coup, pour cette histoire-là, vous pouvez peut-être vous intéresser au clan du Pan. Il y a parmi eux beaucoup d'anciens mantes qui ont battu les pirates. Peut-être qu'ils auront plus de pistes. Ou peut-être, le clan du l'ours, c'est leur fondateur qui aurait tué Zenshi. Dans des circonstances qui restent parfois assez. Et éventuellement, évidemment, le clan du Cormoran aussi. D'ailleurs, que pouvez-vous nous dire sur la création du clan du Cormoran? Enfin, tu sais, en gros, on voit que les autres clans sont issus d'un ancien membre officiel de Rokugan, et on sait plus ou moins que la fille était Ningaisha, histoire du clan du Cormoran. Du coup, qu'est-ce qu'elle a appris? Bah, elle vous raconte l'histoire, hein, que... Oui, c'est ça que je voulais, en fait, c'est pour que mon personnage soit... Ouais, elles étaient à la tête de pirates, d'une incarnation de pirates assez... Et que, du coup, Bayushi, Takayoshi-sama, elles ont été jugées, mais comme elles étaient enceintes, l'exécution a été retardée. Et du coup, quand il est venu le temps de les exécuter, juste avant, il y a eu un ordre comme quoi... Elles ont été annulées. Et que la geisha en question, qui est à la tête de l'organisation, a été reconnue comme une fortune et autorisée à faire un clan mineur. Voilà. Et elle est vénérée comme fortune? Dans son clan, probablement. On est d'accord que c'est un pipeau. Donc...
coup, c'était pas un vrai texte. Ah bah, pour elle, elle n'a rien à foutre, hein, d'elle, hein, Non, non, mais je pense bien, mais est-ce que la population, du coup, pense qu'il y a des temples qui sont régés, est-ce qu'il y a... qu'elle est vénérée comme une fortune? Un peu, il y a... Dans son clan, beaucoup, les autres un peu moins, mais principalement les marins, oui, un petit peu. C'est pas très important, à mon avis, mais... Non, mais... Ah, sur le bout de la langue, hein, c'est con. Ouais. Mais par contre, du coup, ouais, le clan du Cormoran était assez efficace. Il protège le sud de l'Empire d'Ivoire. Il protège les mers. Mais ce sont d'anciens pirates, ça ne paraît pas loyaux et... Ah oui, c'est ça que je voulais dire. C'est que quand l'ordre a été reçu, là, une grosse rumeur a couru dans la ville. Comme quoi, c'était le clan de la grue qui les avait aidés à obtenir ce statut-là, sous prétexte d'affaiblir la magistrature d'Ivoire. On se marchait, promesse entre une magistrate d'Emeraude et le premier magistrat d'Ivoire. Apparemment, David pensait que la magistrate d'Emeraude avait fait ça en place contre eux. Garder son honneur et réussir à neutraliser entre guillemets les pirates non pas en les enrêtant et mais en les en rentrer dans le bon chemin en créant un statut pour eux. Je sais pas si le clan de Mayotte pour expliquer un compliqué à ce défi entre les deux, alors lequel des deux était le plus efficace. Ryushi s'est rendu compte qu'il avait échoué, il a peut-être pu mettre ça sous. Par contre, je pense que ça te fait super toi parce que je peux pas entendre. Bon, dans tous les cas, voilà. Ce que je vous propose, c'est qu'on arrête là. Vous pouvez réfléchir à d'autres questions si vous en avez, et on pourra y répondre la semaine prochaine. Évidemment, on continuera si vous en avez. Globalement, après cette réunion, il va encore y avoir quelques séances de progression sociale, on va dire ça comme ça. J'ai essayé d'accélérer un peu les choses, donc si vous pouvez les préparer, vos idées, et que vous, à la limite, nous les communiquez un peu à l'avance, histoire que je vois un peu où ça peut vous mener, etc., ça peut être utile pour rendre la partie un peu plus sympa. Sachant que j'aimerais bien essayer de jouer au maximum quand vous êtes ensemble, pour qu'on retombe pas dans le trap de une partie est séparée en petit quart d'heure pour chacun d'entre vous, on peut tous participer quoi. Voilà. Du coup, tu veux qu'on réfléchisse à ce qu'on fait de notre côté, c'est ça, le truc qu'on peut le mettre sur le forum. Ouais, à la limite ça serait pas mal, histoire qu'on puisse avancer, on va dire tranquillement sur le forum ou quoi, ok, c'est plus comme ça. Vous rencontrez, puis vous dites, j'ai fait ça, et vous parlez de ce que vous avez fait sur le forum, quoi. Ça, les gens qui suivront la campagne, via podcast et vidéo, pourront avoir quand même le retour d'information à ce niveau-là. Et voilà, que tout le monde soit au même niveau en termes d'info, quoi. Ok. Pas obligatoire, mais c'est aussi. Je pense comme ça me permet moi de me concentrer pendant les parties. Soit des parties entre vous, un petit peu, et éventuellement commencer à envoyer d'autres choses. J'espère que ça vous a plu. C'est assez calme, hein. Mais, Oui, ça va. Vous avez appris une nouvelle information. Mais il y en a encore plein, hein. Il y en a où c'est pas votre pote, mais il y en a où vous voyez plus. Et t'en profites à boire avec les. Ah bah oui, complètement. Bah après, elle le déteste complètement, hein. C'est normal, tu me diras. Mais voilà. Bah, après, je suis pas non plus. Bah oui, mais
Oui, mais pour elle, si. Enfin, pour elle, c'est toi qui a causé un peu la mort de son mari, quoi. Donc, du coup, je dis au revoir aux gens. Je vais arrêter le streaming. Au revoir. Voilà. Au revoir.